Bonjour à toi, chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film 47 Meters Down, réalisé par Johannes Roberts. L'histoire, c'est celle de Lisa et Kate, qui sont deux sœurs, qui sont en Espagne pour passer des superbes vacances, et qui là-bas vont rencontrer deux beaux Espagnols, qui vont leur proposer de faire un trip un peu étrange, se mettre dans une cage, plonger en profondeur, au milieu des grands requins blancs. Les deux jeunes femmes vont forcément accepter, bon, Lisa est un petit peu plus réticente. Et en fait, alors qu'elles sont en pleine excursion, la corde se détache. Et elle se retrouve 47 mètres plus bas. C'est jamais rassurant ce genre de situation. Johannes Roberts, si vous vous souvenez bien, c'était le mec qui avait réalisé The Door, il y a maintenant une petite année. Un long métrage de genre pas forcément extraordinaire, mais qui avait une certaine ambiance, qui essayait de créer quelque chose d'assez intéressant et qui avait une certaine réflexion. C'est pas du tout le cas de 47 Meters Down, qui à la base était prévu comme étant un film qui devait sortir en direct ou vidéo et qui a eu le soutien des frères Weinstein, et en fait, à partir de ce moment-là, ils ont décidé de le passer en salle. On comprend pourquoi. Il y a un certain visuel. Chez nous, il sort directement en e-cinéma, ce qui est plutôt justifié, étrangement, c'est le juste milieu qui marche plutôt bien, parce que le film de Johannes Roberts est pas très bon. Il y a eu des meilleurs films sur des attaques de requins, clairement, et baser son film sur un concept, ma foi, plutôt intéressant, ne suffit pas à lui donner un réel intérêt cinématographique. Et c'est le gros souci en fait de 47 Meters Down, c'est que c'est un film qui se base trop sur son concept et qui, résultat, oublie de créer des métaphores. Je prendrai un exemple tout con, Instinct de survie, qui prenait à peu près le même type de point de départ et qui cherchait à avoir une vraie métaphore derrière, avait au moins l'avantage d'avoir un scénario qui pouvait avoir une certaine réflexion derrière. On pouvait pousser la réflexion autour du long métrage un petit peu plus loin, ce qui apportait un certain intérêt. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que Ernest Riera et Johannes Roberts, en termes d'écriture, ils ont écrit un truc qui est beaucoup trop simple. C'est-à-dire que la seule profondeur dramatique que l'on peut voir dans ce film, c'est le fait que Lisa s'est faite larguer juste avant de partir en vacances. Et derrière, on pourrait se dire, encore une fois, comme dans Instinct de survie, le requin va être la métaphore de cette hantise du départ de son copain. Mais non, c'est juste des requins qui attaquent deux meufs en plein milieu de la mer. C'est tout. Il n'y a pas d'autre réflexion. Et en fait, à partir de ce moment-là, le scénario perd toute sa profondeur. On se retrouve, nous, en tant que spectateurs, en train de mater un film qui est hyper classique, qui se retrouve à être juste une attaque de requin, et à aucun moment, le film a plus à nous proposer. Et à partir de ce moment-là, je sais pas quoi dire, en fait. Si ton film, il cherche pas à être plus profond, crée au moins de l'intensité. Et c'est pas le cas. Riera et Roberts ne créent pas vraiment d'intensité. C'est une intensité qui est forcée. Ça, on le verra par le biais de la mise en scène, mais c'est une intensité qui est forcée. Et qui, résultat, perd de son intérêt. Et après, il y a un gros souci, mais alors ça, mais ça, j'en ai marre dans ce genre de film. Il y a un troisième acte qui est ridicule. Ridicule parce que c'est le fameux acte, sans trop vous spoiler, du ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ou c'était dans sa tête. Ton film dure 1 h 30 et t'es en train de dire que une demi-heure de ton film, tu vas le baser sur du faux? Voilà. Quand tu te retrouves à baser ton film pendant un bon tiers sur du faux, c'est qu'il y a un souci. En termes de mise en scène, Johan Roberts, il y a des idées. Il y a clairement des idées et il y a un très beau travail du graphisme, notamment autour du fait de perdre ses repères. Constamment pendant le film, Johan Roberts va avoir une idée de mise en scène qui va être très intéressante. Il va faire tourner sa caméra un peu dans tous les sens. Et à partir de ce moment-là, nous, en tant que spectateurs, on perd nos repères. On ne sait plus dans quelle direction on va. Et on se retrouve comme ces personnages, perdus au fond de cet océan, sans avoir la moindre idée de la direction dans laquelle on doit aller. Ça, c'est une superbe idée de mise en scène. Ça marche vraiment bien. Et il y a un vrai intérêt. Après, c'est quand même assez limité sur un film de 1 h 30 de baser entièrement ta mise en scène là-dessus uniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de travail de rythme. Comme je vous le disais, il y a un travail de tension qui est uniquement dû parce qu'ils font monter la musique. Avec Tom Dundee, Johannes Roberts s'est dit « On va faire péter la musique et ça va faire monter la tension !» Sauf que non. Non, en fait, parce que résultat, nous, en tant que spectateurs, on voit la dynamique se mettre en place trop rapidement et ça pose réellement problème. Je vais citer un exemple en fait pour vous donner un ordre d'idée au niveau de tension, un peu dans le même style. The Reef, qui est un petit, mais genre très petit, long métrage de tension sur une attaque de requins également, est beaucoup plus inventif là-dessus parce que, ayant vraiment très peu de budget,
Les mecs se sont permis d'avoir des vrais requins, parce que ça coûtait moins cher que d'en faire en images de synthèse. Ce qui fait que résultat, les attaques de requins sont hyper bien foutues parce qu'on ne voit les requins que de loin. Parce que ne pouvant pas en faire des plans trop proches, ils ont choisi de créer une tension qui va être sur la distance, et sur le non-vu. Là, vu qu'il montre tout, Johannes Roberts, ben, on est rarement sous tension. Parce que les requins, on les voit. On les voit vraiment face cam, et ils sont en 3D. Et même si c'est bien fait, ils sont quand même en 3D. Et ça pose problème. Mais résultat, on n'est pas dedans, on n'est pas sous tension. Et pourtant, il y a quelques idées, mais ça fait pas tenir le film, quoi. Ça fait vraiment pas tenir le film. Et il y a un autre petit souci après, c'est que les acteurs sont pas très très bons. Mandy Moore et Claire Holt dans les deux rôles principaux sont bien, mais sont pas éclatantes. Elles auraient pu être bien mieux. Elles se donnent pas à fond dans les personnages. Et surtout Mandy Moore, elle a tendance à jouer trop la chouineuse. Et résultat, ça passe vraiment pas sur la longueur du film. Et après, Matthew Modine, je l'aime bien parce que c'est le mec de Full Metal Jacket. Donc en fait, il a la classe, ce mec-là. Mais après, il a pas un gros rôle. Mais au final, 47 Meters Down, c'est le genre de film qui nous fait croire à un concept intéressant et qui n'arrive pas à le tenir sur la longueur. Et donc, résultat, on est rapidement déçu. Et quand en plus, t'as une demi-heure de ton film qui se base sur du vent, alors là, c'est la catastrophe. Là, tu vois le truc, ça s'en va. L'idée du concept qui était intéressant, c'est bon, elle est partie. Donc, au final, 47 Meters Down de Johannes Roberts, bah, même en e-cinéma, c'est pas vraiment un film à voir parce que ça manque d'une vraie énergie et ça manque surtout d'une idée de création qui irait plus loin que simplement se baser sur un concept, quoi. Donc, vous pouvez passer votre chemin sur celui-là. Mais je vous conseille de voir The Reef. The Reef est vraiment bon. Recherchez, mais il est vraiment classe, celui-là. À plus!